Jokflow is eco-design. I can share maybe the main three secrets behind this story. So the first secret is the simplification of design. We developed a shoes where we use almost three or four components and we make the new shoes. And the second one is using the maximum amount of recycled component. And the third one is reducing the amount of wastage. So for these shoes, we have used a new technology. It's called 3D knitting, which help us to make a upper with zero waste. At the beginning, we faced a little bit difficulties of the sourcing of the recycled polyester yarn because we need some specific recycled polyester yarn for shoes because today is available for the textile, but for shoes, we need specific yarn. The socks knitting technology that we have used for these shoes is not very common in the market, so Decathlon is the first who is going to use this technology. L'éco-conception, c'est avant tout réduire l'impact environnemental de notre produit tout en gardant les performances techniques qu'on peut avoir. Parce qu'un produit, ça sert à rien de le commercialiser. Si on abaisse son impact, on perd en technicité. Alors sur un skate, on n'a pas grande marge de manœuvre à part le deck. Les trucks et les roues qui représentent le plus de poids dans l'impact environnemental du produit. Donc là, parmi les critères d'éco-design de Decathlon, il faut avoir un certain taux de matière recyclée dans la masse totale du produit ou alors réduire son impact environnemental de 10% selon deux critères. Et nous, on a travaillé sur les deux côtés. En mettant une grosse part de PP recyclé, du polypropylène, on a mis un peu plus de 83% de PP recyclé dans la composition du deck qui permet du coup d'atteindre un taux de plus de 40% de matière recyclée dans le produit. À la base, le skate, il est nu, c'est-à-dire que la couleur de la matière recyclée, elle est gris, verte ou noire. Et ensuite, les taches que vous voyez en dessous, c'est des taches qui ont été faites de manière unique, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas retrouver dans le magasin deux planches identiques. Et du coup, mention spéciale au packaging qui ont fait un gros travail parce que c'est pas simple de retirer le plastique de leur packaging. Ce maillot est éco-design parce qu'il est constitué de 45% de polyamide recyclé et de 25% de polyester recyclé. Quand on décide d'utiliser ce type de textile, la difficulté c'est de s'assurer que la durabilité soit la même qu'un textile non recyclé. Donc on a fait des tests labo et des tests d'usage pour vérifier que la durabilité était la même. Les contraintes pour trouver une matière recyclée sur un maillot de bain, c'est qu'on veut aussi allier le confort et l'usage du produit. Et le confort, ça passe par un composant qui est élastique, donc qui contient de l'élastane. Aujourd'hui, on n'a aucune solution pour que l'élastane soit recyclée. Nos équipes travaillent dessus, mais c'est encore compliqué de le trouver. Donc c'est de trouver un bon compromis entre une matière avec un polyamide recyclé et de l'élastane pour qu'on puisse avoir allier le confort et en même temps pouvoir avoir les performances techniques. Un autre challenge pour concevoir ce maillot de bain, ça a été de trouver une matière qui soit et recyclée et en même temps qui réponde à nos attentes en termes de design, c'est-à-dire avec une texture. Parce qu'aujourd'hui sur le marché, il n'y en avait pas beaucoup et donc avec mon ingénieur composant, on a réussi à trouver un composant qui soit et design et recyclé. Bonjour Bouraoui. Salut. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton métier chez Decathlon? Alors moi, je suis chef de projet recyclage, donc l'objectif de mon métier, c'est d'aller chercher des matières qui sont les déchets d'aujourd'hui pour faire les matières premières de demain. Ok, donc tu es le spécialiste des matières. Eh bien, nous, on vient de voir trois produits qui avaient tous en commun d'être éco-design par le choix des matières. Pourquoi le choix des matières est important par rapport à l'impact environnemental d'un produit? Alors, la matière, c'est une problématique parce qu'elle occupe une partie très importante dans l'impact environnemental du produit. Du fait qu'on va aller puiser dans des ressources naturelles, exemple le pétrole pour les matières synthétiques, exemple des terrains agricoles qu'on va planter pour récupérer du coton par exemple, et du coup ça représente un impact très important de produit. Quand on dit juste le mot comme ça, ça paraît logique que ça sonne mieux d'avoir un produit recyclé, mais réellement, concrètement, pourquoi c'est mieux? Alors, quand on parle de matière vierge, par exemple les matières synthétiques qui sont issues du pétrole, on utilise du pétrole. Dans le cadre de matières recyclées, on va utiliser des déchets. Par exemple, on va utiliser pour remplacer le polyester des bouteilles plastiques. Les bouteilles que vous utilisez chez vous pour boire de l'eau, ces bouteilles-là, on va les récupérer quand ils ont fini leur vie pour en faire de la matière première. De la même façon, quand il s'agit de matières naturelles, on va prendre dans le cadre l'exemple du coton, ce sont des matières qui sont cultivées sur des terrains. Ces terrains sont occupés et ils ne peuvent pas servir à autre chose, mais aussi on va utiliser de l'eau. Donc quand on utilise des matières recyclées et quand on récupère du coton qui a déjà vécu pour refaire de la nouvelle matière première, on évite un petit peu de puiser ces ressources-là. Est-ce qu'il n'y a que le recyclage de la matière comme solution ou est-ce qu'il y a des recherches innovantes faites pour des matières non recyclées mais moins impactantes? Alors, il y a différents niveaux de possibilités. Il y a l'innovation, c'est le fait de découvrir des nouvelles matières premières
qui seront moins impactantes par leur nature que celles qu'on utilise aujourd'hui. Et donc ce sont des matières qui vont être issues de la biomasse, des matières bioressourcées, des matières qui vont être issues du bois par exemple. Mais aussi, il faut se dire que la matière recyclée, aujourd'hui, on n'a pas testé toutes les possibilités. On utilise la bouteille pour faire du textile, mais demain, on pourrait imaginer réutiliser du textile pour faire le textile. Donc, toutes ces possibilités-là, il faut trouver des circuits nouveaux, il faut identifier des technologies nouvelles sur lesquelles on va travailler pour permettre l'utilisation dans le futur. Eh bien, merci beaucoup, Braoui. Je t'en prie. Maintenant qu'on a vu qu'on pouvait agir sur les matières qu'on choisit pour qu'un produit soit éco-design, on va voir comment nos ingénieurs réfléchissent pour agir au moment de la fabrication des produits.